Oui, bonjour Frédéric Kupens. Merci pour votre présence ici au Pirate de Montréal. Professeur titulaire en cybersécurité à Polytechnique de Montréal, spécialisé en cybersécurité des infrastructures critiques, innovateur au Québec et en France. Comment est-ce que ce voyage dans le domaine de la cybersécurité a commencé? Ça a commencé il y a déjà quelques années. Je ne parlais pas encore d'Internet à l'époque, c'était encore les tout débuts. Et donc, si la question concerne ma formation, moi j'ai plutôt une formation en intelligence artificielle. J'ai fait un doctorat sur cette thématique. Et ensuite, donc, j'ai poursuivi ma carrière. Après mon doctorat, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste pour travailler sur la sécurité informatique. On ne parlait pas encore de cybersécurité à l'époque. Et donc j'ai accepté le poste. Et donc j'ai commencé par travailler sur des problèmes de confidentialité, protection des secrets, tout ça. Et puis ensuite, bon, j'ai suivi l'évolution naturellement technologique avec l'arrivée d'Internet, le cloud et puis toutes ces nouvelles infrastructures qu'il faut protéger. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là, je pense. Un petit peu, oui. Hein. quelles sont les principales menaces dans le domaine de la sécurité informatique au Québec et au Canada? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de. Je vais peut-être répondre déjà en général par rapport aux menaces. Donc, les menaces concernent. Bon, c'est ce qu'on voit le plus souvent, hein, c'est les attaques par hameçonnage pour essayer de prendre le contrôle d'utilisateurs et ensuite pouvoir s'introduire dans des sites. Bon, les cibles en général, c'est l'exfiltration de données, c'est ce qu'on voit en premier. Tout ce qui est fraude ensuite arrive assez bien. Tout ça pour dire que souvent les motivations des attaquants, c'est des motivations aujourd'hui beaucoup beaucoup financières, avec l'objectif de faire de l'argent. Mais bon, on sait que les cibles, notamment au niveau infrastructure critique, permettent des attaques par sabotage avec des conséquences fait importante par rapport, là on parle plus d'argent, on parle de menaces sur l'environnement, de menaces sur les individus. Il y a pas mal d'exemples à ce niveau-là. Mais Et puis après, des les États attaques qui, en... Pardon? il y a aussi des États qui font Oui, tout à fait. qui dirigent leur attaque justement là. Là, c'est effectivement souvent le sabotage là, souvent pour motivation soit des États, soit des groupes terroristes qui ont des intérêts un peu différents des groupes qui essaient de faire de l'argent, même si c'est parfois assez fortement corrélé. Ouais, il y a ce genre de motivation par derrière. Est-ce qu'en Bon, Europe, c'est la même chose? on est en plein dedans là actuellement. Oui, ben, en pleine guerre. Est-ce qu'en Europe, c'est la même, on a les mêmes enjeux, les mêmes menaces, ou c'est un peu différent par rapport à l'Amérique du Nord? Alors, tout ce qui est ben, les attaques par défacement de sites pour faire de la propagande, par ransomware pour essayer de demander des retours financiers, ça, je pense que c'est international. Après, le fait que tel pays ou telle entreprise soit plus ou moins ciblée, c'est. Je pense que c'est par rapport au retour espéré après pour l'attaquant, par rapport à la victime, naturellement, les rançons peuvent être calibrées de façon plus ou moins importante en fonction de la victime. Mais ça, c'est international. Après, des attaques ciblées, contre des infrastructures critiques. Déjà, ça ne vient pas forcément toujours de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur, il ne faut pas oublier la menace interne. Donc, ça peut être des employés mécontents qui vont, pour des raisons diverses, essayer de mener des actions malveillantes contre leur entreprise. Ça aussi, c'est assez général, mais après, tout dépend du niveau de protection. Il y a quand même
des entreprises qui sont mieux protégées que d'autres par rapport aux menaces externes, menaces internes. Donc, c'est sûr que ça peut varier à ce niveau-là, mais les motivations des attaquants sont souvent assez internationales, on va dire. Quelles sont les vulnérabilités les plus importantes en général? C'est vrai que c'est difficile de définir, mais à ce moment-ci, c'est quoi les vulnérabilités les plus importantes? Les vulnérabilités, ou là, ça c'est un peu, c'est vaste comme sujet, l'aspect vulnérabilité. D'abord, on ne les connaît pas toutes, des enjeux, mais je dirais que ce qui est nouveau par rapport à certaines attaques récentes, c'est des attaques qui viennent de fournisseurs indirectement, c'est-à-dire c'est le fait qu'on a un lien direct pour faire des mises à jour sur notre système avec des fournisseurs. Et puis, l'attaque, en fait, passe par le fournisseur et vient attaquer. Ça a été le cas de SolarWinds, par exemple. Le cas de Kaseya, un peu plus récemment. Ça, c'est assez nouveau et ça a un impact assez considérable parce qu'au bout du compte, quand il s'agit de logiciels, on autorise en général le fournisseur du logiciel à venir accéder à nos ordinateurs pour faire les mises à jour. Et naturellement, si c'est un vecteur d'attaque assez considérable qui peut impacter un grand nombre ensuite d'entreprises cibles ou de clients cibles. Je pense que c'est quand même assez récent comme tendance et je pense que ça va se renouveler parce que c'est vrai qu'au bout du compte, les portes sont ouvertes à ce niveau-là. Comment on peut expliquer le fait que malgré un nombre important de frameworks de sécurité, des outils et tout, des procédures et tout ça, et malgré tout cela, on voit de plus en plus d'attaques qui réussissent. C'est un peu un paradoxe là, entre ce que l'on a comme outil, on est quand même pas mal équipé. Mais malgré tout, on n'arrive pas à stopper les attaques. Par rapport à ça, nous on est persuadé qu'aujourd'hui le paradigme reposant sur la protection, la défense, la détection, c'est un peu la course du gendarme contre le voleur, mais le voleur il s'adapte, donc c'est une course sans fin. Là où effectivement il y a beaucoup de progrès encore à faire, c'est au niveau de ce qu'on appelle la cyber-résilience, c'est-à-dire je sais plus qui a dit que la question n'est pas si je vais me faire hacker, mais quand je vais me faire hacker. Mais une fois qu'on a bien compris qu'au bout du compte, l'attaquant, à partir du moment où il y met les moyens, il va pouvoir passer au travers de la plupart des moyens de protection et de détection qu'on va mettre. Après, la bonne question, c'est de savoir comment résister à l'attaque qui va réussir. Et par rapport à ça, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que la cybersécurité n'est pas pensée comme ça, quoi. La cybersécurité aujourd'hui considère souvent qu'elle est un peu conçue avec une vision moyenâgeuse, c'est-à-dire le château fort qu'on construit et puis on espère que le château fort va résister aux attaques. Et puis on sait bien qu'au bout du compte, il suffit de mettre des canons suffisamment puissants pour arriver à casser la muraille. Je pense que c'est un peu le parallèle aujourd'hui. Je le vois un peu comme ça au niveau de la cybersécurité aujourd'hui. C'est que on construit des forteresses et puis malheureusement, l'attaquant qui a un canon suffisamment puissant, il arrive à passer au travers. Donc il faut repenser, je pense, la cybersécurité en termes, une fois que ma muraille est cassée, comment je vais quand même résister à l'attaquant, quoi. Donc, il faut changer de vision finalement, Pense qu'il faut complètement. quand même quelque part, la même façon que les militaires ont repensé un peu cette vision moyenâgeuse en faisant des défenses élastiques, en faisant des défenses en profondeur, en faisant de la défense mobile, repenser un peu avec ce genre de vision de manière à être capable de résister à un attaquant. On va peut-être perdre des positions, on va peut-être de reculer, mais au final, l'objectif, c'est de ne pas se faire envahir, quoi.
Comment on peut caractériser le niveau de compétence des spécialistes québécois et canadiens en cybersécurité? Ça, je C'est difficile pas de je peux parler des étudiants conformes, par contre. On le essaie effectivement Ou pourquoi pas? de définir des programmes qui sont conçus en collaboration avec les entreprises et sur la base d'une expression de besoin. On essaie d'en dériver des programmes adaptés aux besoins de recrutement des entreprises. Ça, c'est, je pense que ça rentre dans mon. Dans mes responsabilités de professeur que de développer des programmes de formation adaptés aux besoins et aux expertises nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises. Maintenant, répondre réellement à ta question, là, de savoir si il y a les bons experts aux bons endroits dans les entreprises, je pense qu'au niveau des grandes entreprises aujourd'hui, il y a quand même des équipes de sécurité tout à fait. Encore une fois, en termes de compétences, je pense qu'elles sont compétentes, mais en tout cas, il y a les bonnes personnes au bon endroit. Je pense là où il y a vraiment un problème aujourd'hui, c'est encore au niveau des PME. Au niveau des PME, ben, même s'il y a beaucoup de métiers très différents de la cybersécurité qui nécessitent des expertises diverses, on va dire, ben, aujourd'hui, dans les PME, pour des raisons de moyens, c'est souvent une même personne qui est supposée répondre à tous ses besoins. Et donc, c'est un peu le mouton à cinq pattes, quoi. C'est un peu la personne qui est obligée d'avoir des expertises très, très nombreuses. Et naturellement, je pense que c'est compliqué pour un administrateur de sécurité dans une PME d'arriver à avoir toutes les expertises pour répondre à tous ces problèmes que pose une entreprise en termes de cybersécurité. Donc, bon, j'ai pas la solution parce qu'il y a un problème de moyens, hein. C'est sûr que une PME de 20 personnes va pas pouvoir employer 3 personnes sur la cybersécurité, mais il y a un enjeu à ce niveau-là, je pense. Il y a un enjeu, il faut trouver des moyens pour aider les PME à mieux effectivement gérer leur cybersécurité, compte tenu des moyens dont elle dispose. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer une bonne partie des spécialistes en sécurité? Alors, je pense qu'il y a la solution passe par l'automatisation. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle permet de répondre à tous les besoins d'automatisation? Bon, je ne suis pas complètement convaincu, même s'il y a de nombreux progrès à ce niveau-là. Mais c'est ça, je pense qu'il faut arriver à, en termes de gestion d'alerte, en termes de gestion d'incidents, en termes de conception d'architecture, arriver à ce que quelqu'un qui doit faire tout ça dans une entreprise ait les moyens pour le faire. Et effectivement, là, ça passe par l'automatisation des tâches. Je pense qu'il y a une bonne partie des tâches qui aujourd'hui peuvent être simplifiées grâce notamment à l'intelligence artificielle. Mais je ne pense pas que c'est la solution unique. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va permettre de répondre à certains besoins, mais pas à tous. Est-ce que l'intelligence artificielle se situe à quel niveau? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'espoir là-dedans, là. Mais en réalité, avec ChatGPT et tout ce qui se passe là, l'intelligence artificielle, c'est quoi le niveau? C'est quoi la réalité? Qu'est-ce que ça. On en est où avec l'intelligence artificielle? Ben, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup utilisé pour faire de la détection et de la supervision. C'est-à-dire, on a du trafic, on a des logs, on va les analyser et on va utiliser des techniques d'apprentissage pour détecter des anomalies, analyser ces anomalies pour voir si c'est des malveillances. Donc ça, c'est des choses chronophages, hein, ça prend du temps. Une grande entreprise qui déploie un SOC, elle va probablement avoir pas mal d'analyses qui vont devoir faire ce genre de tâches plus ou moins manuellement, d'accord? Donc ça, c'est effectivement quelque chose pour lequel l'intelligence artificielle peut permettre d'automatiser une partie de leur travail. Mais il y a tout un autre aspect pour lequel l'intelligence artificielle est encore assez peu utilisée, qui est la gestion des accès.
tout ce qui est GIA, gestion des identités et des accès. C'est quelque chose de nécessaire pour une entreprise. Avoir une bonne GIA, de mon point de vue, c'est quelque chose de tout aussi important que d'avoir des bons moyens de détection d'intrusion. Et quand on voit les tâches, par exemple, de provisioning, pour configurer automatiquement des comptes, pour configurer l'accès dans le cloud, tout ça, c'est des tâches qui sont encore beaucoup manuelles, prennent beaucoup de temps, hein, déployer une GIA, la configurer, la suivre, la gérer, hein, comment, quand il y a un nouvel employé qui arrive, configurer ses droits, comment aussi automatiser les tâches de manière à ce que quand un employé quitte l'entreprise, eh ben, on ne laisse pas des comptes ouverts n'importe comment. Toutes ces tâches, aujourd'hui, ne sont pas toujours très bien faites, hein. C'est souvent comme ça qu'un attaquant va pouvoir s'introduire. Et pourquoi elles ne sont pas toujours très bien faites? Parce que, au bout du compte, c'est des tâches souvent manuelles. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de marge en termes d'automatisation. L'intelligence artificielle, c'est sûr, va pouvoir jouer un rôle à ce niveau-là. Mais il y a aussi toute une dimension organisationnelle pour qu'effectivement, au niveau organisation, ben, les informations circulent mieux de manière à ce que ben, toutes ces tâches qui sont aujourd'hui manuelles ben, puissent aller vers davantage d'automatisation de ces tâches. Et je pense que c'est une dimension aussi importante. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas beaucoup à ce niveau-là, mais qui permettra de réduire pas mal le travail des administrateurs système, notamment dans les petites entreprises. Et aussi de réduire les erreurs, parce que il y a aussi cet enjeu-là derrière. Mais il faut avoir des spécialistes aussi qui vont implémenter toutes ces dimensions de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Au niveau des spécialistes, ben, les vrais spécialistes de l'intelligence artificielle, au bout du compte, ils ne sont pas très nombreux, hein. C'est quand même des outils mathématiques. Si on essaye réellement de comprendre l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup d'experts. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt utilisateurs de l'intelligence artificielle, qui vont utiliser les algorithmes et puis voir ce que ça donne en termes de résultats, sans forcément être capable de dire comment les résultats sont produits et pas non plus capable de les interpréter. Donc là, il y a toute une branche de l'intelligence artificielle qui repose sur l'explicabilité, comment développer des solutions qui permettent à l'intelligence artificielle de davantage expliquer les résultats. Mais là, il y a encore beaucoup de choses à faire aussi, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en termes d'explicabilité de l'IA et aussi de robustesse de l'IA. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on voit, c'est que de la même façon que les attaquants arrivent à attaquer les systèmes ne reposant pas sur l'IA, ben aujourd'hui, quand un attaquant sait que il y a un système reposant sur du machine learning qui sert à surveiller l'entreprise ou une infrastructure. Au bout du compte, il y a des attaques qui se développent, qui vont exploiter ça et qui vont permettre, par exemple, si c'est un système de détection automatique de fraude basé sur du machine learning, qui va développer des techniques pour passer en dessous du radar de manière à réaliser la fraude sans se faire détecter. Donc il y a tous ces aspects-là autour de l'IA pour lequel, quand on veut utiliser de l'IA pour faire de la sécurité, ben, il suffit pas d'avoir une bonne technique de machine learning. Il faut aussi être capable d'expliquer ce que fait le machine learning et de faire en sorte que le machine learning soit robuste face à des cyberattaques. Et là, il y a encore du boulot, hein. Certainement. Quel est présentement le domaine le plus intéressant de la cybersécurité, si on peut le définir? Oh là. Bah, je ne sais pas si c'est le plus intéressant, mais ça me paraît quelque chose de tout un enjeu tout à, très très important. C'est bon, on sait aujourd'hui que un jour l'ordinateur quantique va arriver, et le jour où l'ordinateur quantique arrive, ben, on sait que ben, tous les algorithmes de chiffrement qu'on utilise pour accéder à Internet, hein, tout le chiffrement asymétrique, ben, l'ordinateur quantique le casse. Donc ça, on le sait. Donc c'est un enjeu dès à présent, puisque c'est pas parce que l'ordinateur quantique n'existe pas aujourd'hui que le jour où il existera, ben, tous nos secrets qu'on a déjà vont être cassés. Donc il y a un effet rétroactif par rapport à la menace de l'ordinateur quantique. Donc ça, je dirais, c'est le futur, hein, si on fait l'hypothèse
que je pense réalise qu'un jour un ordinateur quantique existe avec une capacité suffisante pour faire les calculs pour casser le chiffrement actuel, ben, tous nos algorithmes de chiffrement tombent, enfin tous ceux en tout cas qui reposent sur du chiffrement asymétrique. Et donc là, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai besoin de voir comment concevoir de nouveaux algorithmes de chiffrement qui vont permettre de résister aux attaques quantiques. Donc, c'est un monde fascinant, hein. C'est un monde où effectivement ben, les nouveaux algorithmes, ça repose sur des modèles mathématiques un peu différents de ce qu'on a l'habitude de pratiquer aujourd'hui, et pour lequel ben, il y a des études à faire parce qu'il faut avoir des chiffrements résistants aux quantiques, mais il faut naturellement que ces algorithmes soient aussi résistants à la cryptanalyse qu'on sait mener aujourd'hui. Donc, il y a tous ces enjeux. Donc, oui, je pense qu'il y a de vrais besoins à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le post-quantique. Puis après, il y a toute la dimension comment, au bout du compte, avec des techniques quantiques, de communication quantique, comment ça va aussi changer les problèmes de sécurité, notamment comment, avec de la communication quantique, on va pouvoir rendre plus sécurisés les techniques qui permettent de distribuer des clés de chiffrement, par exemple. Donc, il y a vraiment un domaine à ce niveau-là tout à fait fascinant et multidisciplinaire, puisqu'au bout du compte, il y a le besoin de combiner ce que font des informaticiens avec ce que font des physiciens. Donc, c'est très, très intéressant comme domaine. Comment voyez-vous la... 2 secondes, il y a mon fils qui. comment voyez-vous l'avenir du domaine de la cybersécurité? Comment est-ce que ça va être d'ici 5 ans ou 10 ans? Comment ça va être? D'abord, comment va être l'informatique dans 5 ans, 10 ans? Je pense que c'est plus facile de se projeter. Je pense qu'on va aller vers un monde complètement connecté, avec des systèmes informatiques qui vont pouvoir interagir avec leur environnement, hein, l'Internet des objets, mais pas uniquement, hein, ça va être aussi les systèmes actuels, systèmes industriels, production d'énergie, tout ça, ça va être directement accessible par l'Internet. Donc ça, c'est un peu la vision, je dirais, dans 5-10 ans, d'avoir un monde qui est déjà très connecté aujourd'hui, mais qui va aller vers de l'hyperconnexion avec la 5G, la 6G, donc un monde hyperconnecté. Donc ça, je dirais, pense que c'est une vision assez réaliste du futur par rapport aux évolutions technologiques en lien avec le digital. Comment la sécurité va se débrouiller dans cet environnement? Ben, aujourd'hui, je dirais que si on se rappelle un peu la vision de l'Internet dans les années 90, l'Internet a été développé sans du tout se préoccuper de sécurité. Il a fallu que les premières attaques arrivent pour se dire, ben, tiens, effectivement, ça serait bien qu'on pense un peu sécurité au niveau des protocoles IP, TCP, mais c'est venu après coup. Je dirais qu'aujourd'hui, bon, on sait les erreurs du passé, mais si on regarde un peu ce qui se fait au niveau Internet des objets, au niveau de la 5G, ben, le premier objectif, c'est d'avoir un service qui fonctionne et qui rend le service auprès du client. Je vais pas dire qu'on fait les mêmes erreurs, mais en termes de démarche, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire la sécurité vient un peu après coup. Et donc, je pense que la vision de la sécurité dans 5 à 10 ans, ben, je suis un peu inquiet parce que dans ce monde hyper connecté, on privilégie un peu les performances, on privilégie un peu les fonctions, mais je ne suis pas sûr que la cybersécurité vienne en premier quand on pense à déployer ces nouvelles technologies d'Internet des objets, de 5G ou de 6G. Donc, bon. Ouais, ça a une première dimension. Et l'autre dimension sur laquelle on peut être aussi inquiet, ben c'est surtout les aspects vie privée. C'est l'un des corollaires des évolutions technologiques, là, un monde hyper connecté, mais ça veut dire qu'il y a plus en plus d'informations qui circulent, qui sont collectées, souvent des données à caractère personnel. Et donc, on peut être quand même pas mal inquiet sur le fait que, ben, au bout du compte, notre vie privée soit de plus en plus un vain mot
par rapport à, pas le mot vie, mais plutôt le mot privé. On va continuer à vivre, mais dans un monde où notre vie va être de plus en plus publique. Et bon, de mon point de vue, je sais qu'il y a certaines personnes, ça ne les dérange pas, d'avoir leur vie exposée sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux, ce n'est pas un problème pour eux. Je pense que y a quand même encore pas mal de personnes qui se préoccupent de ça. Et qui aimerait quand même avoir des me meilleurs moyens de contrôle par rapport à ces collectes de données et l'usage qui sont faits de leurs données à caractère personnel. Il y en a qui disent, ah ben j'ai rien à cacher, donc je peux être exposé, mais là je pense que c'est une erreur là. C'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a envie que notre vie publique soit exposée sur tous les médias sociaux. Il y a beaucoup de. Enfin, je ne suis pas un sociologue, mais il y a des études sociologiques qui montrent que ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher, ce n'est pas parce qu'on est un bon citoyen, ce n'est pas parce qu'effectivement on n'a pas d'action répréhensible, qu'on a néanmoins envie que notre vie soit exposée à tout le monde. Frédéric Cupens, merci beaucoup pour votre temps et puis à très bientôt. Ok, merci. Merci Merci. Christian.